L'éthique ou l'esthétique, l'homme ou l'œuvre, c'est à ces problèmes que se trouve confronté tout lecteur de Louis-Ferdinand Céline, parce que Céline côté clair, c'est l'auteur du Voyage au bout de la nuit ou de à crédit, des romans évidemment au panthéon de la littérature française du XXe siècle. Mais côté sombre, Céline c'est aussi le collaborateur acharné, celui qui a mis sa plume au service de l'antisémitisme avec des pamphlets tristement célèbres comme Bagatelle pour un massacre ou encore Les Beaux Draps. Un grand écart donc. L'artiste touché par la grâce d'un côté, la fripouille répugnante de l'autre, tout ça en un seul homme, un génie, un salaud. Le voici drapé d'un prestige sulfureux, il suscite à la fois l'empathie et le dégoût. C'est à cette personnalité plus que troublante qu'Annick Durafour et Pierre-André Taguieff viennent de consacrer un épais volume chez Fayard. Il est intitulé Céline, la race, le juif, légende littéraire et vérité historique est examiné si comme Heidegger qui fit entrer le nazisme dans la philosophie, Céline aurait fait entrer l'antisémitisme dans la littérature. Disons-le tout de Gaulle, la lecture de cette étude très documentée ne laissera pas indifférent. On pourra même se demander pourquoi. Pourquoi Céline n'a pas subi le même sort qu'un Robert Brasillac, par exemple, qui a été fusillé à la Libération au front de Montrouge. Ou bien pourquoi ses écrits n'ont pas subi le même opprobre. Ou encore plus proche de nous. On se demandera... Pourquoi encore la lecture de ses œuvres sur les planches par un comédien de talent va susciter aussi peu de réserve et autant de sympathie La force de l'ouvrage d'Annick Durafour et Pierre-André Taguieff tient dans sa minutie, parce que, pièce à conviction après pièce à conviction, il introduit un dossier à charge, inexorable. Démonstration est faite que dans la galaxie antisémite des années 30, et bien sûr dans la collaboration, Céline va d'abord s'imposer comme un prophète puis comme un publiciste qui jamais n'hésitait à se salir personnellement les mains pour faire triompher l'antisémitisme et, bien pire encore, pour sauvegarder ses petits intérêts personnels. Durafour et Tagieff remontent à ses sources et ses influences. Ils vont démontrer comment Céline est devenu le grand écrivain qui a légitimé en France l'antisémitisme racialiste d'Hitler. Il met en lumière ses rapports étroits avec les officines françaises de la propagande nazie, avant même le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, au point que Bagatelle pour un massacre aurait directement puisé sa matière dans les documents diffusés par les nazis et dans des articles publiés par les journaux fascistes français. Le mythe de l'Arien, évidemment, qui est issu des études linguistiques indo-européennes très en vogue à l'époque, mais aussi le pessimisme des traditions nordiques. Céline va donc mettre en scène une lutte à mort, une lutte entre la race arienne et la race juive. Dans cette dialectique implacable du « eux » ou « nous », il appelle ouvertement à l'extermination des Juifs. Se voit-il comme l'écrivain de arienne qui préparait cette extermination Durant la guerre, on le sait, Céline continuera de tracer ce sillon avec ses lettres ouvertes aux journaux les plus pro-nazis. Et c'est son acharnement qui peut-être valut la déportation au pauvre Robert Desnos. Mais Annick Durafour et Pierre-André Taguieff prouvent qu'il y a plus accablant encore. Céline a multiplié les dénonciations de Juifs. Et il a même dénoncé comme juif des personnes qui ne l'étaient pas. Exemple le plus marquant, l'affaire du docteur Joseph Hogarth. Céline veut son poste de médecin du dispensaire de Beson. Hogarth semble lui être un patronyme juif. Céline le dénonce à l'administration. Problème, le docteur Hogarth n'est pas juif, il est haïtien. Qu'importe, Céline veut le poste, il trépigne, il l'obtient. Cette partie de l'ouvrage est décisive au niveau historique. Qui aurait des illusions, Taguieff et Durafour les déchirent la plume qui compose un voyage au bout de la nuit, a rédigé des lettres de dénonciation. Des ignominies à hauteur d'homme, en somme. Ah, je ne me méprise pas du tout. Je me trouve, je me trouve très honnête, euh, très valeureux, très sacrificiel, euh, ayant bien donné, beaucoup donné aux hommes, et, et, et eux qui m'ont répondu par des vageries. C'est tout ce que je vois. Il semblerait que Céline avait des informations également sur la solution finale. Donc, ce qu'il dénonçait risquait la mort. Céline le savait. Difficile dès lors pour ses défenseurs de plaider l'humour, la pantalonnade, la blague de potache ou de carabin. Et Taguieff et Durafour de remarquer que ses biographes persistent encore à ignorer ses lettres, de même que les preuves qui le verraient lié de façon active à la Gestapo. Un autre point est passé au crible la légende selon laquelle Céline aurait été un paranoïaque relevant plus de la psychiatrie que de la littérature. Pour y répondre, Durafour et Taguieff manient l'ironie, de façon très astucieuse d'ailleurs. Il se demande si chaque déséquilibré doit obligatoirement manifester son délire par l'antisémitisme. Une interrogation, on conviendra, toujours brûlante d'actualité. En creux, il montre également comment l'antisémitisme célinien trouve aujourd'hui encore des prolongements, que ce soit dans le révisionnisme, l'antisémitisme, l'antisionnisme, mais aussi chez les adeptes du parler vrai. Un bémol cependant, il ne tranche jamais expressément sur l'éventuelle continuité qu'il y aurait entre les grands romans de Céline et ses pamphlets même si le style reste le même et que les métaphores littéraires se sont alors muées dans l'idéologie. En d'autres termes, si Céline fut indubitablement antisémite, on ne sait si cet antisémitisme a nourri ses romans. Pour autant, ce volume Céline le juif la race » s'avère salutaire parce qu'il rappelle que la beauté est parfois le masque du mal et parce qu'il impose une lecture responsable, les yeux doublement grands ouverts.